Une maison de quartier pour les Sénardes. Dans le cadre du projet de rénovation urbaine mené par la ville de Troyes et répondant à un véritable besoin, cette maison de quartier, actuellement en construction, aura une vocation culturelle et sociale puisqu'elle accueillera le centre social, l'accueil collectif pour les mineurs, la protection maternelle infantile ainsi qu'un point multimédia. De plus, une salle polyvalente de 145 mètres carrés sera proposée à la location aux habitants. Autre particularité, cette maison de quartier se veut écologique. Marie Lecor est maire adjointe chargée de la politique des quartiers et services aux habitants. C'est un projet qui a vu le jour pour les fondations fin de l'année dernière et pour le début des travaux début de l'année. Livrable début de l'année 2012, un bâtiment HQE, donc haute qualité environnementale, qui va fournir l'énergie dont il a besoin. Ce sera le premier bâtiment municipal du département qui aura cette spécificité. C'est un bâtiment, ce qu'on appelle passif, qui n'a pas besoin d'être ni chauffé ni climatisé. Il se suffira lui-même. Cette réalisation et je pense ce succès futur, ça sera dû au côté technique très avancé, mais surtout à la participation des habitants et de tous les élus qui ont travaillé sur ce projet.